Bonjour, je m'appelle Élodie Marchand, je suis photographe et art-thérapeute. Je réalise des interventions pédagogiques et culturelles dans des écoles maternelles et primaires et j'interviens également dans le cadre de mon activité d'art-thérapie dans des centres médico-sociaux et des centres hospitaliers. Aujourd'hui, dans le cadre de Pass Art 2020-2021, je vous présente mon parcours intitulé « Capturons l'émotion » qui a pour domaine d'activité la photographie. Cette intervention que je vous propose, elle s'organise autour de deux grands ateliers. Cette première partie d'atelier est une approche pratique de la photographie afin de s'initier et de comprendre l'image photographique à travers, bien évidemment, l'appareil photo, l'image photographique, mais aussi le studio photo, ses flashs, ses fonds, comment il fonctionne. En pratique, il sera question dans cette première partie pour les enfants de photographier différentes parties du visage afin de suggérer une émotion. Je vous en montre un exemple juste ici. Dans cette seconde partie d'atelier, intitulée « Le masque des émotions », on intégrera des disciplines supplémentaires comme les arts plastiques, le théâtre et évidemment toujours la photographie. En pratique, les enfants réaliseront un masque à la manière des masques de théâtre de l'Antiquité. Ces masques auront évidemment une expression de visage très marquée, prenons par exemple la colère, avec des sourcils très froncés, une bouche très expressive. Une fois ces masques réalisés, il sera question de les mettre en scène et enfin de les photographier. Vous l'aurez compris, les notions abordées dans mes ateliers sont l'émotion, mais également le portrait et l'autoportrait grâce à la photographie, et les notions de cacher-montrer grâce au masque de théâtre. Tout ça dans le but de s'initier et de comprendre au mieux l'image photographique et de cultiver son regard créatif. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis peut-être à très bientôt.